font les fous mais n'ont jamais vu de flingue. On va leur montrer la rue, garde à prison, boucaf, cimetière. On va leur montrer la rue. Hey hey, on t'a pas dit explique, on t'a dit paye paye. Nous on veut du cash, oublie car check les paye. Personnel ou business, négro je te nique. Tu regrettes tes retards, tes mensonges et tes méniques. Un séjour dans la malle et tu me trouves moins sympathique. Appelle-moi Ghost Lion, le chou Saint-Patrick. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis en interview avec le frérot Nabassa, il est là avec nous. Alors salut à toi, ça va ou quoi? Ça va et toi frangin? Ouais, toujours. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Oh, Nabassa, soldat FOB 835, Zup de Berthe, la Seine-sur-Mer. Représente toujours. Alors déjà, pour commencer, il y a eu ton album qui s'appelle Par Principe. Je te laisse un peu en parler. Non, il n'est pas sorti encore, Par Principe. C'est un projet à venir, Par Principe. Avant ça, t'as vu, j'ai fait un album avec mon équipe. J'en ai fait deux. Deux albums avec mon équipe, on a eu un bon succès d'estime, je dirais, parce que c'était vraiment de l'indépendance, tu vois. De l'indépendance totale, que ce soit dans la création, la production, la vente, tout ça, c'était tout par nous-mêmes, tu vois. Et du coup, voilà, hein, ça c'est mon parcours. Après 2-3 apparitions sur quelques compilations, et maintenant on en est là, frère. Prochain projet Par Principe, bientôt dans les bacs, Inch'Allah. Alors aussi, il y a eu il n'y a pas longtemps ton feat avec Graia. Alors déjà, comment ça s'est fait exactement la connexion? La connexion, en fait, Graia, je l'ai rencontré chez l'adjoint à la Savine, au studio Device. Moi, j'étais à la base invité à la session de Flo Saker, qui est sur le pilote. J'étais invité à assister, pas à poser. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Graia, on a discuté. Le feeling s'est bien passé, après je me suis lié d'amitié avec lui. Je suis très très proche de son ancienne équipe, les Capote, tu vois. On est très souvent ensemble, c'est ça que tu me vois dans l'équipe YK et tout ça. Et on a longtemps parlé de faire un son, Graia et moi, on en a rarement eu. Enfin, on a eu l'occasion. On s'est vraiment s'est jamais penché dessus et quand on a eu l'occasion de le faire, on l'a fait. Et c'est de là qu'est né, on va leur montrer la rue. Et alors justement, le tournage du clip, ça s'est passé comment exactement? Vous étiez allé dans quel quartier exactement? C'était comment? Ah, je l'ai fait chez moi, frère, je l'ai fait à Berthe. C'était Berthe. Et voilà, j'ai invité Graia, il est venu. Bon, c'est pas la première fois qu'il nous rend visite, tu vois. Il est venu et voilà, ça s'est fait naturellement. On avait 2-3 idées. Après, on aurait aimé pousser le truc un peu plus. Mais on a eu 2-3 problèmes techniques qui fait que ouais, c'est ça, tu vois, que des playbacks, tout ça, tu vois. Ah ouais, je vois. Sinon, dans les commentaires du clip, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ton béret ça fait penser un peu à Biggie et tout. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Non, pas du tout. Moi, je sais, c'est quoi? Moi, à la base, Biggie, c'est quelqu'un que j'admire, tu vois. Faut remettre les choses dans leur contexte. Après, les anciens de chez moi, ils ont toujours porté le béret, tu vois. Je pense à un ancien, notamment Wari Personam, qui rappait. Il m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse, tu vois. Mon père, il porte le béret, tu vas pas me dire que mon père, il s'inspire de Biggie, tu vois. Ah ouais, je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ce que j'aime pas, tu vois. Si ce jour-là, je sais pas, j'ai mis le béret, j'aurais pu mettre la casquette, je sais pas, tu vois. Ah ouais, bien vu, bien vu. C'était pas même à l'heure où je te parle, je portais le béret, c'est pour tout faire le mec, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bien vu, bien vu. Sinon, alors il y a le groupe Germinal Soldat aussi. On peut voir dans leur clip qui a quand même pas mal marché, hein, avec 50 000 vues, il me semble. Il y a beaucoup de t-shirts Nabassa partout, exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, bien sûr, parce que déjà, c'est mes petits frères. C'est mes petits frères, et dès qu'ils ont voulu vraiment. Parce que déjà, à la base, moi, j'ai besoin de sortir un clip qui s'appelle Allumé. Si tu regardes bien le clip, c'est eux qui sont dedans, c'est eux qui jouent tout le clip, tu vois. Ceux qui font toutes les parties scénarisées, et moi je fais mes playbacks, tout ça. Et en fait, ils se sont. Ils écrivaient déjà de leur côté timidement et tout, et là ils ont eu l'occasion de s'approcher un peu plus de la musique. Donc ils m'ont dit, oh, on a une chanson, on veut la faire, on veut que ce soit toi qui nous guide, tu vois, qui soit derrière nous. J'ai dit, ok, y a pas de problème, tu vois. C'est pour ça que tu mets les t-shirts là-bas, si tu les vois qui ont les t-shirts là-bas, ça. Parce que voilà, c'est moi qui suis derrière eux, c'est moi qui ai tout financé. Et voilà, mais après quand je dis tu vois écrire là-bas, ça, faut pas voir que moi, y a tout mon quartier derrière eux, tu vois. Parce que c'est mes petits frères. Ouais, je vois le truc. Et en plus, ils ont fait un son qui change un peu de ce que tu fais. Eux, ils sont plus dans le mode afro-trap et tout. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là, toi? Bah écoute, je sais pas si je veux dire, je veux pas carrément, je veux pas
aller jusqu'à te dire c'est une évolution, mais c'est une tendance, tu vois. C'est une tendance du moment, hein, mais à un moment donné, il y avait le trap, avant, il y avait un truc à l'époque, on disait le dirty. Tu vois, il y a plein de... Le rap, il a plein de variantes, tu vois. Après, le rap en lui-même, il sera toujours là. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Et voilà, même les petits, là, maintenant, j'ai des sons 2, je peux te faire écouter des sons 2 où ils rappent carrément, tu vois. Ouais, tu vois, je vois. Ça s'est fait à l'instinct, quoi, c'est pas calculé, tu vois. Ah ouais, bien vu. Sinon, est-ce que eux justement ils ont des futurs projets? Parce qu'à part ce clip là, il me semble pas qu'on les voit trop souvent sur YouTube. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, ils ont fait des sons. Ils en ont pas mal des sons, hein, tu vois. Mais ils ont fait des sons et moi personnellement, ils m'ont demandé mon avis, tu vois. Et je leur ai dit que ça se rapprochait trop du clip Tourner les reins là. Tu vois, enfin, j'aurais aimé qu'ils montrent autre chose, tu vois, pas deux chansons qui se ressemblent. Pas parce que la première a marché et que l'autre va marcher, tu vois. Et il fallait... Je voulais qu'ils montrent autre chose. Et là, justement, là, on est en train de parler de faire deux clips, là, tu vois, à venir. Je pense dans les mois, fin février, début mars, il y aura deux clips sur le monde, tu vois. Et voilà, ce sera quelque chose de différent, en tout cas. Et justement, toi, à part l'album, est-ce que tu as des futurs projets? Ah ouais, déjà, Germinal Soldat, il en fait partie, ça fait partie de mes projets. J'espère qu'ils vont continuer à être motivés. Je vais leur apporter un peu de mon expérience, même si je suis pas je ne sais qui. Mais je connais l'envers du décor, tu vois. Donc, y a personne qui pourra leur faire de fausses promesses ou quoi que ce soit, parce que moi, personnellement, je serai là et je suis pas tout seul, tu vois. Et ouais, le projet, je sais pas, déjà, je vais essayer de mener à bien mon premier projet solo, parce que par principe, c'est mon premier projet solo, tu vois. À la base, j'étais dans mon groupe AFOP, je suis toujours dedans. Mais c'est mon premier projet solo, déjà je vais essayer de le mener à bien et après on verra, tu vois. Faut mettre un pied après l'autre, tu vois. Ok, puis la dernière question de l'interview, est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Ah, moi je suis pour l'OM, frère. Ah bah ouais, normal, quand tu viens du sud, normal pour l'OM. Ouais, après il y a quand même des traîtres, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis pour l'OM, après si demain l'équipe de ma ville je sais pas moi, l'équipe de ma ville elle vient jouer contre l'OM, je sais pas moi. Ce serait pour l'équipe de ma ville, c'est normal, tu vois. Bah ouais, normal. Mais sinon, c'est l'OM hein, depuis moi, je sais pas, ça fait partie de l'éducation, on va dire. Ok, bah c'est la fin de l'interview. Merci à toi Nabassa pour la participation. Merci à toi le bon vieux Morrison, t'inquiète pas, on est ensemble, frère. Ouais, merci, ça fait plaisir. Et c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Tu payes 5, tu prends 10. Négro, tu dois 5, fin de la semaine, je veux mon bif, pas de sortie, pas de brin. Me compare pas à n'importe qui. Ma réputation est jalouse, une dédicace à la police, notre auriculaire et le pouce. Micro interdit aux balances. Ma reine, c'est FOB, acupuncture à l'opinel. Si tu coopères avant de souffler ta bougie, faut que t'aies fait ce que tu veux.